Et oui, dans cet évangile, aujourd'hui, il y a un passage surprenant. Nous voyons un homme qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et va très mal. Souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Et peut-être que ça se passe très souvent dans notre vie. Nous présentons au Seigneur, nous demandons à des personnes de prier pour nos intentions et il semble que c'est impossible, qu'il semble que notre situation est impossible. Il semble qu'on ne peut pas guérir, que notre situation ne peut pas changer. En fait, il semble presque que le démon soit plus fort que nous et peut-être même plus fort que Dieu. Parfois, nous pouvons même penser ça, que personne ne peut nous aider. Et c'est très surprenant ce que Jésus répond à cet homme et à tous ceux qui sont présents là, parce qu'il y avait une foule. Jésus dit « Engeance incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter ?» Apportez-le moi ici. Et donc, Jésus leur dit une chose incroyable. En fait, il leur dit que le problème, c'est l'incrédulité, engeance incrédule et pervertie. Et il y a une perversion que nous pouvons avoir, c'est d'attribuer au démon plus de pouvoir qu'à Dieu et de penser que rien ne peut changer. Et alors, on va essayer de trouver des solutions un peu partout. Il y a des gens qui vont chez les guérisseurs, il y a des gens qui vont chez des chamans, il y a même des gens qui vont chez des sorciers. Maintenant, ici en Suisse, il y a, si vous prenez les journaux, les petites annonces, vous allez trouver une quantité énorme de publicité pour des guérisseurs Reiki, des guérisseurs qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, des chamans, etc. Et on est prêt à aller chercher de l'aide même à ceux qui, plus ou moins, en fait, une chose est sûre, ces gens ne viennent pas de Dieu. Mais certains même guérissent au nom du démon. En fait, il y a un manque de foi tel que dans la puissance du Seigneur qu'on va s'adresser à tout le monde. Juste le seul but, la seule chose qui est importante, c'est de guérir. Et beaucoup de gens sont prêts vraiment à mettre leur vie spirituelle en danger juste pour pouvoir guérir, pour être mieux. Et Jésus leur dit « Engeance incrédule ». Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il menace le démon et le démon sortit de l'enfant qui, de ce moment, fut guéri. Donc Jésus guérit, Jésus expulse le démon. Jésus est bien plus fort que le démon. Et parfois, nous pouvons penser, oui, mais Jésus était Dieu, et donc c'était pas difficile pour lui, mais nous, c'est difficile. Et en fait, ce type de pensée est une pensée qui nous empêche vraiment de vivre la vie chrétienne comme Jésus nous l'a enseigné. Parce qu'on oublie une chose, on oublie que Jésus, lorsqu'il s'est fait homme, oui, il était Dieu, mais il a renoncé à tous ses pouvoirs divins. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 7 et suivant, que Jésus, même s'il était Dieu, il s'est dépouillé, prenant la forme d'esclave, devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Jésus a renoncé à tous ses pouvoirs, et la note de la Bible de Jérusalem nous dit que se dépouillant de la gloire qui aurait dû rejaillir de sa personne divine sur son humanité, le Christ a partagé les faiblesses de l'homme, sauf le péché. Mais il a révélé dans cet abaissement l'amour du Père auquel il obéit volontairement. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a renoncé à tous ses pouvoirs divins pour vivre une vie comme nous sur cette terre, limitée par un corps. Et alors vous allez me dire, mais d'où vient
son pouvoir? Eh bien, son pouvoir venait de la prière et du jeûne, comme nous allons le voir. En fait, Jésus a vécu sa vie humaine comme nous, nous la vivons, et à travers sa vie, il nous enseigne comment vivre une vie de communion avec le Père, comment nous mettre à l'écoute du Père pour recevoir du Père toutes les indications nécessaires pour pouvoir vivre une vie en abondance. Et la prière, c'est justement cela, c'est nous mettre à l'écoute du Père, comme Jésus, tous les jours, se mettait à l'écoute du Père. De bon matin, il se levait pour aller prier. Jésus était un homme de prière et un homme aussi qui jeûnait. Et il a jeûné au début de son ministère, 40 jours de jeûne, pour pouvoir se préparer à l'annonce de la parole de Dieu. Et donc, tout son pouvoir, Jésus nous le dit, qu'il ne fait rien du tout s'il n'a vu le Père le faire. Et donc Jésus, dans la prière, se mettait à l'écoute du Père sous l'action du Saint-Esprit et recevait de Dieu ce qu'il devait faire, et il le faisait. Et donc, le problème que nous avons et que beaucoup de personnes ont, c'est le manque de foi. Et nous le voyons. Les disciples, s'approchant de Jésus après que Jésus a guéri cet enfant, dans le privé, ils lui demandent « Pourquoi nous autres n'avons-nous pas pu l'expulser ?» Et Jésus répond « Parce que vous avez peu de foi. » Parce que vous avez peu de foi. Donc le problème, c'est un manque de foi. Et Jésus indique ce que la foi fait. En fait, la foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. C'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Ben, on ne voit pas avec nos yeux que Jésus a vaincu le mal. Mais nous le croyons par la foi qu'en mourant sur la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de tous les péchés de l'humanité, qu'il a cloué au bois de la croix nos péchés et qu'il nous a pardonnés. Et à travers son pardon, il nous a libérés de l'emprise que l'ennemi avait sur nos vies à cause de notre péché. Nous pouvons être pardonnés. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous relever, courir à la croix de Jésus et lui demander pardon. Et lui qui est fidèle et juste nous pardonne et nous libère du péché. Et il nous traite comme si nous n'avions jamais péché. En fait, c'est par la foi que nous obtenons le pardon des péchés. C'est par la foi que nous obtenons la victoire sur l'ennemi, sur Satan. Et Jésus nous dit, toujours dans cet évangile, le pouvoir de la foi. Car je vous le dis, en vérité, si vous avez la foi gros comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. C'est une chose extraordinaire. Jésus donne cet exemple, la foi comme un grain de sénevé. Un grain de sénevé, c'est une toute petite semence. Elle est petite comme un grain de sable. Et si vous la prenez dans la main, c'est même presque difficile à la voir. Elle est toute petite. Dans une main, nous pouvons prendre des milliers de grains de sénevé, tellement c'est petit. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici. Et elle se déplacera. Et la montagne, ce sont nos problèmes, nos maladies, nos difficultés, nos divisions. En fait, tout problème que nous avons dans notre vie et pour lequel nous demandons au Seigneur son intervention, peut être cette montagne dont Jésus parle. Mais Jésus nous dit, la foi, il suffit d'une foi comme un grain de sénevé, donc une petite foi, mais une foi en un Dieu qui est grand et puissant. En fait, notre foi ne s'appuie pas sur notre force, sur la grandeur de notre foi, mais elle s'appuie sur qui ? Sur celui en qui nous avons confiance. Notre foi s'appuie sur Jésus qui est venu dans ce monde et qui nous a sauvés en mourant sur la croix, qui nous a rachetés en mourant sur la croix. Et donc, si nous avons la foi comme un grain de sénevé, une petite foi, mais une foi en un Dieu grand et puissant, nous pourrons dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Mais Jésus continue en disant, quant à cette espèce, on ne la fait sortir que par la prière et le jeûne. Et
Certains ont interprété cela en disant quant à cette espèce de démon, on ne l'a fait sortir que par la prière et le jeûne. Comme s'il y avait des démons qu'on peut chasser avec la prière et le jeûne, et d'autres démons qu'on pourrait chasser sans prier et sans jeûner. Et là, on comprend directement que cette interprétation, cette espèce, ce n'est pas cette espèce de démon, c'est ce dont Jésus était en train de parler, en gens incrédules. C'est votre manque de foi, c'est votre doute, c'est cette espèce d'incrédulité, de manque de foi, de doute qui ne peut changer, qui ne peut être chassé que par la prière et par le jeûne. Et là, alors nous comprenons que nous avons entre nos mains une arme puissante, la prière et le jeûne, une arme puissante pour enlever nos doutes. Parce que tous nous doutons de Dieu, parce que nous prions et nous ne voyons pas la réalisation de nos prières. Mais nous oublions que Dieu n'est pas notre serviteur, nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes au service de Dieu. Et lorsque nous nous mettons au service de Dieu, alors oui, Dieu interviendra en notre faveur. Mais lorsque nous allons vers Dieu, seulement comme si Dieu était un distributeur de grâce, de bénédiction, et à notre vie, dans notre vie, nous ne reconnaissons pas Dieu comme Dieu, c'est-à-dire nous ne lui donnons pas notre écoute, nous ne mettons pas à son écoute. Si Dieu est notre Dieu, si Dieu est ton Dieu, tu vas dévorer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te parle à travers sa parole. Et dire, ouais, moi je crois, j'ai beaucoup de foi, mais ne pas lire la Bible, c'est une contradiction directe, parce que tu dis que tu as la foi en un Dieu, mais ce Dieu que Jésus nous a révélé, c'est le Dieu qui a donné sa parole, la Bible, pour communiquer avec nous. Et ne pas lire sa Bible, c'est le signe, le plus grand signe d'un manque total de foi en un Dieu qui parle. Et ça, c'est notre problème. Et nous avons besoin donc de prier avec la Bible. Et donc, en priant avec la Bible, oui, notre foi va grandir. Pourquoi? Parce que nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu va nous parler à travers sa parole. Et lui va pouvoir transformer notre vie lorsque nous prions avec la Bible. Et Jésus était un homme de prière, un homme qui connaissait profondément la parole de Dieu. Vous vous rappelez, déjà à 12 ans dans le temple, il discutait des écritures avec les scribes et les pharisiens, et on était étonnés de sa sagesse. Jésus était un homme planté, enraciné dans les écritures et qui vivait dans la prière. Mais non seulement dans la prière, mais aussi dans le jeûne. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Il y a différentes façons de jeûner. Mais la prière et le jeûne sont une arme puissante pour vaincre notre doute. Et notre doute nous fait penser que notre situation, rien ne peut la changer. Que l'ennemi est plus fort que peut-être que Dieu même, nous pensons ça. Mais non, Jésus, en montant sur la croix, a vaincu Satan, il a détruit le pouvoir de l'ennemi et il nous donne la victoire. Mais j'ai besoin de recevoir cette victoire à travers la prière et le jeûne. Le jeûne, ça signifie renoncer à la nourriture pour chercher la nourriture qui vient du ciel. Et Jésus nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc le jeûne consiste à renoncer à la nourriture physique pour notre corps, pour nous dédier plus intensément à recevoir la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut jeûner? On peut jeûner, par exemple, maintenant nous commençons le carême, et le mercredi des cendres, c'est un jour demain, donc c'est un jour de jeûne, où l'Église nous invite à jeûner, donc à ne pas manger. Nous pouvons passer un jour sans manger, et personne ne va mourir. Bon, il y a des personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas le faire, mais la majorité des personnes peuvent jeûner, peuvent ne pas manger pendant un jour, et se dédier à la prière, à lire les Écritures. Et demain, c'est un jour spécial pour cela. L'Église aussi préconise le jeûne le vendredi saint. En fait, l'Église catholique invite seulement à un minimum de jeûner 2 jours par année, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Nous, dans notre communauté, la communauté à Jean-Baptiste,
en découvrant les Écritures, en vivant dans les Écritures, nous nous rendons compte que le jeûne, c'est une arme puissante. Et donc, dans notre communauté de vie consacrée, nous jeûnons un jour par semaine, les frères et sœurs de vie consacrée de la communauté à Jean-Baptiste. Et en plus, nous ajoutons à des temps de jeûne, surtout durant le temps de carême et de l'Avent. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est une arme pour intercéder pour nos besoins. Une arme qui enlève notre doute et nous met dans une attitude de foi pour pouvoir transformer les situations et pour pouvoir déplacer les montagnes. Et une des montagnes les plus grandes que nous avons, c'est la montagne du doute. Et c'est avec l'arme de la prière et du jeûne que nous allons déplacer cette montagne du doute, cette montagne de manque de foi, pour que nos vies soient transformées et que la volonté de Dieu se fasse en nos vies. Et donc, je vous invite, frères et sœurs, à prendre en main l'arme de la prière, prière avec la Bible, en lisant la Bible à voix haute et en lui demandant au Seigneur, Seigneur Jésus, parle-moi, ton serviteur écoute. Et lorsque une parole vous touche de ce que vous avez lu, eh bien, répétez-la, jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans votre cœur et que vous ayez cette conviction que c'est la vérité. Dieu nous parle à travers sa parole est vérité, mais nous avons besoin de transformer notre façon de penser avec la parole de Dieu. Et unis à la prière, prenons l'arme du jeûne. Renonçons à de la nourriture. On peut commencer en renonçant à un repas, mais mieux, par exemple, demain, le mercredi décembre, de renoncer à tous les repas. Pourquoi ? Pour rechercher le Seigneur. Si vous n'arrivez pas à renoncer à tous les repas, renoncez au moins à un repas. Et au lieu de dîner, par exemple, allez prendre la parole de Dieu et pendant une heure, lisez la parole de Dieu en demandant au Seigneur d'intervenir dans votre vie. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous invites à affronter notre manque de foi avec l'arme de la prière et du jeûne. Seigneur, nous voulons prendre en main cette arme puissante de la prière en priant avec ta parole, en lisant ta parole, en te demandant de nous parler et en adhérant à ta parole, en faisant ce que toi tu nous dis à travers ta parole. Et nous voulons aussi prendre l'arme du jeûne, renoncer à la nourriture pour nous dédier à recevoir la nourriture spirituelle, ta parole, Seigneur, afin que nos vies soient changées radicalement. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit pour lui demander de venir nous visiter et nous donner cette force de prendre en main l'arme de la prière et du jeûne. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.